Écoutez, pour le moment, ça va bien. Personnellement, j'ai trouvé un bel appartement ici. Le cadre est magnifique. J'ai été bien intégré dans l'équipe. Après, sportivement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est un peu en dents de scie, mais on travaille tous les jours fort pour faire partie du haut du classement. L'équipe n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année passée, donc c'est à moi de trouver mes marques et à connaître mes coéquipiers. Et voilà, c'est vrai que c'était aussi un challenge au niveau de la langue. Je sais qu'en venant ici, ça allait parler plus italien, logiquement. Mais voilà, je pense que tout le monde parle anglais. Il y a pas mal de joueurs qui parlent français aussi. Donc à ce niveau-là, c'est pas un problème dans l'équipe. Pour m'intégrer encore plus, je prends des cours une fois par semaine. C'est aussi une chance pour moi de pouvoir apprendre une langue supplémentaire. J'ai encore pas eu la chance de pouvoir faire du wakesurf ici. C'était sympa de pouvoir faire ça à Genève. On verra l'été prochain si ça se passe ici ou pas. Une dernière année assez difficile avec le changement de coach qui m'a donné un peu moins de responsabilités. Et puis il était venu pour moi à un âge où c'est que je voulais signer un contrat de longue durée. Et voilà, je dois être honnête, je ne me voyais pas rester encore 3-4 ans de plus à Genève. Et Lugano s'est manifesté et j'ai réfléchi le pour et le contre. Et je pense qu'au final, je suis sûr que c'est le meilleur choix pour moi. L'argent a une importance, certes, mais pour moi, dans ce cas-là, j'ai pas signé ici parce que c'est là qu'il y avait le plus d'argent. Je pense que j'aurais pu signer ailleurs où c'est qu'il y en aurait eu plus. Mais j'ai regardé aussi l'effectif qu'il y avait ici, le rôle que je pouvais avoir dans l'équipe. Mon rôle dans une équipe, c'est d'amener de l'offensive, c'est de pouvoir jouer un rôle important sur le power play. Donc en ayant regardé ce qui pouvait se faire ici à Lugano, en ayant discuté avec les dirigeants, les entraîneurs, c'est ici que je me voyais le mieux jouer. C'est clairement un objectif pour moi de continuer à faire partie de l'équipe suisse pour les prochains mondiaux. Et en voyant plus loin encore, il y a encore des JO dans 4 ans. Donc c'est vraiment des objectifs pour moi qui sont là.